Hey, 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode, bien sûr, de Crooks the Big Heist. Nous étions donc arrivés au tout dernier niveau de cette mission 13. On arrive au bout là, ça y est, on va y arriver. On va y arriver, notre objectif principal est de choper cette chose et de se barrer. Le niveau est quand même relativement petit, hein. Il est pas mal, j'ai envie de dire. Donc, on a pas trop le choix. On va devoir s'activer assez rapidement. Est-ce qu'il y a des choses à faire ici? Il y a juste la semelle. On n'a plus de pchit pour enfermer. Sinon, ça aurait été parfait. Est-ce qu'il y en a à choper quelque part? Non. Là, il y a un pouette-pouette. Il n'y a pas grand-chose à ce niveau. Donc, on pourra pas faire comme ça. Ensuite, on va à... Oui, dis donc... Oui, c'est vrai, j'avais vu ce truc-là. Lui, lent et faible. Eh bien, on va aller lui casser la gueule. On va aller lui casser la gueule assez rapidement. C'est-à-dire que lui, dès qu'il sera par là, on va faire ça. Ouais. Je pense que c'est le mieux à faire. Ensuite, un terminal de caméra ici. Il y a ça. Un tableau de distribution. Une caméra. Deux caméras. D'accord, ok. Bon, allez, on va commencer déjà par ouvrir l'ascenseur. Tu vas te mettre là, puis ici. Toi, tu vas te mettre là. Toi, tu vas te mettre là. Et toi, tu vas te mettre là. Allez, c'est parti mon kiki. Donc lui arrive. C'est quoi le topo? Bishop, faudra te tenir prêt. Pour l'instant ça va. Ils se font pas voir non plus dans le faisceau, tant mieux, parce que sinon ce serait bien chiant. Oh la vache! Mais lui il voit super loin! Waouh! Et puis alors, vas-y le truc, là il va où? Après il va à l'intérieur. Après il revient. C'est quoi son truc? Attendez, il est hyper compliqué. Il va là, il revient, tac, 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 d'accord, il fait comme ça, ok. Bon, tu vas pas pouvoir sortir tout de suite, Bishop. Mais tu te tiens prêt avec ton ami là. Oui. Oui. C'est-à-dire que dès qu'il se barre... Il regarde plus, tu peux ouvrir la porte. Et maintenant? Et maintenant, ben, vous allez le plus mieux possible par là. Voilà, il faut bien commencer par quelque part. C'est bon. Ah ouais, et puis re-regarde et tout. Hein. Allez hop. Ok, première chose. Fait, tu vas lui foutre un petit coup de poing. Tu es prêt. Voilà. Toi, tu vas... C'est un tableau de distribution. Ta-ta-ti-ta-terre. Bah, c'est pas grave, tu vas faire ça. Et tu vas utiliser... notre super aimant. Ouais. En fait, il fallait que je mette aussi... Oh là là, mais ça m'apprendra à pas savoir lire. Hein. C'est pas grave. Lobco, il va vite y aller. J'attends. Dès qu'il pourra. Une serrure accrochetée. Ouais. Ouais, non, mais lui, il arrive. Là, c'est chaud. Tu vas bien? Voilà. Il a un tour hyper rapide, lui, hein. Go. Oh, fichtre. C'est bon. La porte s'était déjà refermée. Non, parce que là, je me voyais bien... Je sais pas ce que ça... En fait, ces trois trucs-là, ça va activer, puis désactiver.
je sais pas trop ce que ça fait. De toute façon, j'ai pas de truc. Attendez, alors, du coup, on va tout supprimer. Je ne veux pas que ça ce soit actif. Donc si je court-circuite ça. Ouais. Pourquoi lui il est bleu? Tu vas faire celui-là avant. On va voir ce que ça donne. Voilà. Voilà. Ouais. En fait, cela, ça va les réactiver. Ouais, je suis pas sûre. J'aurais peut-être pas dû le faire. Tu peux le refaire. Le rebrancher. Voilà, ça c'est bon. Je vais reprendre le plus vite. Si j'active ça... Ouais, alors tu vas activer ça. En fait, il va activer celui-là, mais celui-là les désactivera. Je crois que c'est ça. Hein. On verra bien. Je préférais ne pas avoir de... Voilà. Les deux sont activés. Et là, tu vas faire là et devrais désactiver tout ça. Ça, c'est pas très très grave en soi, puisqu'on a l'Opcovitz qui peut les défaire. Et ben voilà, c'est bien! Une bonne chose de faite. Et lui, il va... Ouf, ouais, on est un peu mal barré de toute façon. Tu vas venir là. Je crois que lui... Bah toi, tu peux venir de toute façon. Toi, tu te feras pas voir, donc... peut nous sauver la mise. Ouais, après il va falloir sortir les trois gus et les emmener là-bas. Je pense que c'est le mieux à faire. De toute façon ici c'est un peu chaud. Patate. De toute façon pour venir ici, je pense qu'on va devoir se taper tout le tour. Voilà, c'est la complication du jeu, on peut pas faire autrement. On va se concentrer. Lui, là-bas, il est bien, mais lui, il arrive. Ah, c'est chaud. Hein. Va falloir attendre. Hein. Tu vas le assommer. Mais s'il pose problème, faudra lui retaper dessus. Là, c'est bon. Après, il vient là, il aura une très belle vue aussi. Hein. Normalement, quand il regarde par là, ou quand il est là-dedans, qu'il faudrait choper. Donc, c'est pas encore maintenant. Donc, tu sais quoi, tu vas le taper. Voilà. Allez, on peut pas passer. Nous attendons. Voilà, là on peut. Mais lui, il est là. Donc il faut attendre qu'il tourne dos. Et qu'une fois qu'il sera en tourne dos, le poisson. Alors tu viens. Voilà, et tu viens là. Go! C'est parti. C'est parti. Vachte. Et c'est quoi le topo? C'est d'aller là-bas. Allez! Ils sont à 3, hein. Ouais, c'est bon. Ouah, ma zette, ça c'est joué à pas grand-chose. Hein. Faut être réactif. Hein. Ok, lui, il va se réveiller. Bon, on s'en fout, on est loin, il viendra pas jusqu'ici. Nous avons deux pièces. Ici, ça active et désactive. Ok, ici, ça fait quoi? C'est un terminal de caméra. Bah écoute, Bishop, si tu peux désactiver la caméra, mais...
Voilà. Il y a un petit. Ah oui, un petit chalumeau. C'est vrai que j'ai complètement oublié d'ouvrir le coffre la dernière fois. J'ai été trop nunuche. Je sais pas ce que j'ai foutu. Parce que ça active et désactive. Après, on a l'Obkovitz hein, qui est. Donc, c'est pas un souci. Tu peux aller là. Tu le fais. Attends. Donc là, c'est safe. Après, lui, il s'en fout aussi, il peut y aller tranquille. Voilà, on a désactivé celui. En fait, ce qu'il faudrait, c'est tous les désactiver. Donc là, Lobco, tu vas le faire. Parce que celui-là va activer celui-là, mais désactiver celui-ci. Donc c'est bien. Ce qui n'est pas un souci en soi. Bishop, on va te faire venir là. Bishop, oui, de toute façon, les deux, ils vont venir. Tu vas. Hop. Je préfère en fait que soient tous désactivés parce qu'on sait jamais une solution de repli pour passer ici ou ici. Ce sera pas plus mal, hein. Voilà. Et puis, si tu veux me désactiver ça tout de suite, tu seras un amour. Ensuite, ah bah oui, puis de toute façon, là, il y a une caméra en plein sur cette sortie-là. Qui est accessible ici. Ah, ouais. Ah, mais. Ah non! On peut pas y rentrer, on peut rentrer que avec lui. Ta 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 ta. Punaise! Pour le maîtriser, il faut faire ça comment? Je veux pas! On peut pas accéder ici. Je sais pas, mais. Faut être. Ah, il n'y avait pas le truc avec Roquette, peut-être? Parce que là, pour arriver dans cette pièce-là, on peut pas rentrer par ici. Et là, il n'y a que là. Et avec son tour de garde à lui, c'est mort, quoi. Enfin, c'est pas possible. Et on peut pas l'assommer. Ah si, on peut. Ah, j'ai rien dit. Ouais, enfin, c'est chaud quand même, hein. On n'y est pas, de toute façon. Donc, on va se concentrer là-dessus. Tu vas venir là. Au travail. Tu vas venir là. Tu vas venir là. Alors, il faut. On a un monsieur ici, c'est pour ça qu'on a un faisceau. On peut aller se planquer derrière, on va pas voir. Faudrait qu'on accède ici. Porte piégée. Faut qu'on désactive les caméras. C'est ici. Et celle-là, c'est là, d'accord. Là, on a deux murs fendillés, mais on a Bishop qui pourra ouvrir sans souci. Ah, on a un conduit d'aération. Bon, ça ne. C'est pas pour nous, puisqu'on n'a plus Roquette. Mais ça devrait le faire. Je vais envoyer Lobkowitz, qui va s'occuper de la caméra. Bishop qui s'occupe de la porte. Ça va pas être tout de suite, parce que là, il vient de quitter. Donc, il va arriver ici, il va regarder. C'est plus quand il va regarder par là qu'il faudrait que je les fasse sortir tous les deux. Est-ce que j'ai besoin que de E2? Après, là, j'ai une porte. Ah oui. Et ici, il me faudrait quelqu'un pour venir là. Que je planquerai juste derrière ici. C'est possible, c'est possible. Pour qu'il récupère ça. Ok, ben je vais envoyer peut-être lui, le robot. Je vais envoyer le robot. Allez! On est bien. Je suis prêt. Tu vas te mettre là. Toi, tu vas te mettre. Non, bah non, on va C'est bon, je attendre. raccroche On va attendre parce que comme Lobkowitz n'a les. pas Bien reçu. fini de faire son truc. Ok. Sortir. Tu vas sortir. C'est quoi le topo? Et tu vas sortir. Wow, Oh, ah, j'ai eu peur! ça c'est de la belle ovale.
Ça peut, genre, détruire la Terre? Ah oui, c'est vrai que ça peut ressembler. Comme dans le film avec le type, là, non, les vrais lasers sont moins dangereux. Ils ne peuvent que produire des rayons lumineux. Encore une invention inutile. Mmh. Alors, quand même, ils sont énormes. C'est clair. Ok. Après, quand il sera par là... Ouais, punaise, ça va être chaud. Ou alors, je les laisse là. Je vais les laisser là, hein. Je vais peut-être attendre qu'ils fassent le tour. Parce qu'en fait, je me dis que là, ça va être chaud. Ça va être court. Après, le temps qu'ils viennent là, si on est ici, on est coincé un peu. Je peux laisser le robot, parce que lui... Il aura pas de soucis. Oui. C'est parti. Allez. On va tenter. C'est quoi le topo? Ah. Ouais, ouais. On va tenter... Je sais que ça sert un peu à rien ce que je fais. J'espère qu'il va pas se faire voir là. Mais bon, il y a aucune chance qu'il se fasse voir. Il y a juste le Covid qui peut être emmerdé, donc je vais le mettre là. Je suis obligée d'attendre, hein. Sinon ça va aujourd'hui? Ah, voilà, il voit pas, c'est cool, ok. Ok, là c'est bon. Au travail. On peut les sortir de leur trou. Technical spy. Tu peux venir là. Enfin, vraiment mettre à profit. Tu peux aller de suite là, s'il te plaît. Ouais, tu peux venir là. Normalement c'est bon. Non. Et viens là. Ok, je suis hyper concentrée. C'est bon, vous pouvez rentrer. Ça c'est bon, ça c'est bon. Faire désactiver la caméra. J'avais pas vu que le mec il venait jusque là. Il va falloir en fait être au taquet du taquet. Oh ouais. Cool, plus vite. Oui, ça va très bien. Tu peux te mettre là. Oui. Toi là. Et on a Nono, le petit robot, qui va pouvoir agir. Tac, tac. Hyper méga good. Ah ah oh. Alors du coup, maintenant je suis là. Je vais pas laisser Bishop ici. Faudrait qu'on vienne là. Il résiste aux heures, mais pas au point de fer. Donc il y aurait moyen qu'on puisse le knock out. Mais ça veut dire qu'il faudrait que je ramène Rufus ici. Voilà, et lui, il résiste à tout. Toi, tu vas venir là. Hop. Je crois qu'on est bien. Ouais. Ouais. Et Rufus, ce serait cool
Oh là là, je suis pas sûre. Hein. Tu vas sortir. Tu vas sortir de là. Eh merde, je savais bien que j'allais merder. Bon, allez, c'est pas grave, on va se faire choper et on recommence. En plus, j'y ai pensé, je me suis dit, il faut pas oublier Bishop qui est encore sur le truc, qui sert à rien, que je peux le bouger, et je l'ai pas fait. Franchement, je mérite des fessées. Mais bon, on va y arriver. Au travail. Donc, je vais reprendre. Ok, ah bah parfait. Du coup, toi, je vais remettre les gardes déjà parce que c'est beaucoup plus intéressant. J'attends juste qu'il soit parti. C'est bon, tu peux revenir là. Et là, je reprends. Parce qu'en fait, j'étais concentrée sur Rufus. C'est bien. C'est mieux. Voilà, ils sont tous les quatre ici. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre le pouet-pouet. Ça pourrait peut-être nous servir. Lui, il est reparti. Ok. Faudrait qu'on puisse l'assommer. Tu vas te tenir près de la porte. Que ici c'est encore safe, mais ouais, hein. On va avancer. Tu vas venir. Voilà. Du coup, les cocos, ils vont aller tous ici. Bien reçu. Je suis prêt. Ça, on est safe pour aller là. Oh là là, ici. Bah, en plus, c'est ici qu'il faut qu'on aille. Alors, bon, comment que je vous dis? C'est Est-ce quoi que le ce serait topo? pas plus intelligent que toi, tu viennes tout de suite t'occuper de la porte? Pendant qu'on garde lui en. Lui par terre, il résiste encore même. Ouais, donc lui, je peux pas le taper non plus. La terminale de caméra, elle est juste là, ça fait chier. Oh. Ah, ça va être chaud là. Je sais pas comment lui, on peut le. Oh, on est obligé de le faire bouger, je pense. Je vais devoir le faire bouger de là pour qu'on puisse y rentrer et choper, parce que là, c'est impossible. Enfin, oui, on peut choper ça. On pourra pas ouvrir le coffre. Et on peut pas l'assommer. Donc c'est un peu. Voilà. Bon, on va déjà se protéger là. Quand même. Allez, on va faire ça. Tranquille ou bilou, hein. Et ça, c'est quoi? Ah, ça ouvre, ça monte ici, d'accord. Nous avons un terminal de caméra. C'est parti. C'est parti! Le Covid. Ah, alors c'est peut-être un jeu, encore une fois, hein, que j'ai pas. Comme tout à l'heure, j'ai réussi à désactiver les lasers. Parce que ça, encore, à la limite, c'est pas grave. Alors, on va réfléchir. Ça active ici. Et ça l'avait désactivé. Donc, bah, c'est ça. On va refaire la même chose. On va l'activer. Et après, tirer, désactiver. Et ça devrait enlever les lasers. Normalement, on est bien. Lui, il a fini sa porte.
qui est en soi une très 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 bonne nouvelle. Vraiment qu'on puisse choper. Je faudrait que je fasse dévier de son truc, mais que je l'amène où? Faudrait qu'on l'amène quelque part, mais où? C'est compliqué. Ou alors je dis adieu parce que. Voilà, le bruit, c'est compliqué, hein. Je vais en réappliquer plusieurs. Hein. Je peux pas, en fait. Sauf je me complique vraiment la vie. Ou je vais envoyer Nono. Nono, tu vas venir là. Bishop. Bishop, réfléchis. Tu vas venir là. Ce Nono, lui, il peut peut-être faire la caméra. Il peut faire la caméra, en plus. Nono, le petit robot, il nous sert vraiment trop bien. C'est lui qui va prendre les plans. Et il va désactiver la caméra dans le dos de lui. Tant qu'il rentre pas dans le cercle rouge, il ne verra pas. Donc ça va être quelque chose de compliqué. Mais j'ai pas trop le choix. On va faire ça comme ça. Alors, est-ce que pour mes lasers, ça va être bon? Ouais. Nono, le petit robot. On a beaucoup d'espoir pour toi. Il va regarder là. Chop. J'ai envie de dire chop tout de suite. Ou alors... Mets-toi là. Toi, il va bientôt se réveiller. Tu vas lui refrapper un coup. Non, c'est parce que je voulais... Non. Oui, il est encore sur son point de fer. Voilà. Là, vous voyez, il le voit pas. Il rentre pas dans son cercle rouge. Faudrait vraiment... Mais là, il reste pas longtemps. Et là, il reste longtemps. Je sais pas comment je peux faire. Parce que c'est long quand même de faire le truc de la caméra, donc... Bon. Ok. Ça. On dégage. Ouais. Ouais. Faudrait que je regarde. Je vais remettre le Nono, le petit robot là. En fait, faudrait que je vois vraiment. Parce que, par exemple, s'il se met là. Et qu'il rentre pas dans son cercle rouge, j'aurais. C'est compliqué. C'est tellement petit. Et voir mes 4 persos se faire choper par la caméra, c'est vraiment pas cool. Ah, et puis de toute façon, il y a lui. Donc je pense que même, on va faire dans le sens inverse. J'ai pas le choix. D'où l'utilité d'avoir tout désactivé et tout. On va faire ça. J'ai pas trop le choix, donc je vais renvoyer Nono. On va tous les refaire venir ici. Technicos, pareil. Voilà. Au Bishop travail. Aussi. C'est pas grave, j'aurais désactivé ça même peu pour rien, mais vraiment la caméra, j'ai pas envie que ça monte. Et puis lui et tout, c'est compliqué. Alors que là, on connaît, on l'a fait dans l'autre instance-là et il n'y a plus aucune caméra, donc c'est beaucoup plus simple. Donc on va faire ça comme ça. Et j'aurai fini le niveau, je veux le finir maintenant dans cet épisode, donc... Et maintenant, tu vas le frapper encore. Voilà. Et tu viens là. On fait quoi maintenant? Et viens. En plus, lui, il vient de se barrer. Donc, on va se mettre derrière lui. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais, con? J'avais pas vu qu'il passait par le trou.
Fais pas le trou. Fais pas le trou. Fais pas le con. J'en oublie un. Serrure accrochée. C'est l'Obkovitz que j'ai oublié. Vas-y, viens. C'est quoi le topo? Vaste. Ouais, ouais. Oh là là, la concentration. Ok. Ok, c'est un fail, c'est un fail, je suis d'accord. Vous avez raison. Mais en plus, c'est con, là. Allez, mais fais-moi perdre, espèce de jeu d'idiot. Bon bah, c'est la cata. Voilà, allez, on refait. Parce que là, c'est la cata, comme dirait Lobkovitz. Mais on va y arriver, on va y arriver. Là, je suis sur la fin. Ça va aller. Ça dépend où est-ce qu'il m'a save. Ouais, alors. C'est quasiment bon pour tout le monde. Le problème, je vais remettre. C'est qu'effectivement, là, autant Nono, le petit robot, c'est pas un souci. Toi, on va te laisser y aller, ouais. Mais Rufus, Rufus, tu vas te planquer là. Voilà, Rufus, c'est bon, tu peux sortir. Tu peux rejoindre tes potes. Lui, il va se réveiller. Il va... Où est-ce qu'il va aller? D'accord, il va aller là et là. C'est pas très... ça nous concerne pas. Ok, c'est good. Allez, oui. Tout le monde ici. Technico spy. Ça, c'est bien, les enfants. Allez, tous ici aussi. Paf, 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 et ben le topo, c'est de... le poteau, qu'est-ce que j'ai dit, je sais plus, c'est d'aller là. Donc on va attendre que Jean-Francis il fasse son tour de garde là, qu'il regarde ici et on ira dans son dos, du moins j'espère, parce que n'oublions pas qu'il y a lui derrière, mais on ira quand même dans son dos, et on se planquera comme on peut, et on aura fini la mission, bon on n'aura pas tout fait. Mais genre plan de construction là, le safe on l'a pas fait parce que bah voilà. Parce que sinon c'était trop compliqué. Ok. Vous allez sortir. Une serrure accrochetée. Ouais. Ma souris, elle a trop du mal en ce moment, je sais pas, elle a pas envie de bosser. Ok. Vous allez tous là. Et maintenant, une serrure accrochetée. Genre le mec, il est pas foutu de voir. En plus, il regarde quand même dans le sens où il allait tous les voir. Mais non, il ne les verra pas. Parce qu'il est bête comme ses pieds. D'ailleurs, vous allez aller jusque ici. C'est parti. Ah là 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 là. Il revient là. Je suis pas sûr qu'on ait le time. Hein. Et après. Tiens, toi, tu vas venir. Putain, on aurait... Oh, c'est tout juste Auguste. Ok. C'est bon. Tu vas fermer la porte. Oui, oui, oui. Et c'est une victoire. Oui, oui, oui. Bon, on a mis 46 minutes. 5 trésors sur 7.
Un coffre sur un et zéro safe. Ah, je suis quand même incognito. Bon, c'était mal barré la première fois, mais là, j'ai quand même bien réussi. Escorcrook, c'est un nouveau record. Oh là là, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fini une mission. Donc, je suis très contente. La prochaine fois, ça serait complètement nouveau. En pot de vin, on n'a rien mis. Alors, 167 575 $. Nouvelle compétence pour Bishop, déverrouillage de coffre. Waouh, Lobkowitz, coupure de caméra. Oh, trop cool, enfin. Nouvelle amélioration du type disponible, la porte est piégée. Ok, eh ben c'est parfait. Moi, c'est ici que je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit comme dans les commentaires, évidemment. C'est comme ça, je sais qui regarde la série. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures sur Crooks, The Big Heist ou autre chose. Allez, salut.